plus. Au rapport. Salut, vous deux. T'as quelque chose pour nous? Pas de mission. Vous devez juste aller voir Isaac. Tous les deux? Ouais. J'avais jamais vu autant de monde ici. Il y a quelque chose qui se prépare. On ferait mieux de trouver Isaac. D'abord, on doit s'assurer que Mel va bien. Salut, Abby. Isaac est là-bas? Non, c'est Carl qui entraîne les nouveaux. Ok, merci. Oh merde. Je le connais, le gars? Je crois pas. Tu sais comment c'est arrivé? Personne ne veut rien nous dire. Là, salut. Abby, pour une fois que c'est toi qu'on doit sauver et pas l'inverse. Et enfin, une seule fois. Perso, je pourrais pas faire ça. Ouais, ben j'espère qu'on aura jamais à faire ce choix. Abby, viens voir deux secondes. Ouais. À propos de votre embuscade, c'est arrivé où? Quelque part, ici. Près des entrepôts. Oh, merde. Ils arrivent à passer sans qu'on les voie. Vous auriez pas vu Isaac? Il était là il y a quelques minutes. Ok, merci. On va le chercher. Bon, désolé, mais j'ai oublié mettre mon micro, comme un con. Bon, réellement, j'ai parlé dans le vide. Sinon, je disais salut à tous, c'est Masson, voici pour une nouvelle vidéo sur The Last of Us partie 2, épisode 23. Bon, réellement, bon, c'est vrai, à la côté, faire un défait là. Mais bon, ce n'est pas grave. En fait, je disais, il y a beaucoup de monde ici. Et en fait, la qualité était magnifique, et du coup, voilà quoi. Mais sinon après, il n'y a pas plus, non. Bon, allez, c'est parti, on y va. Alors, vraiment, désolé pour... j'ai oublié de mettre mon micro, en fait, c'est pour ça. Ça va ? Ouais, salut. Allez, moi, tu rentres bien. Bon, après, ça arrive. Hein. Mais c'est rare, quand même. C'est rare que je fais ça, réellement. En vrai, c'est pas souvent. Attends, c'est pas elle qui est morte, elle? Salut. Avec sa musique, là. Salut, salut, Abby. Quoi de neuf? Tu sais ce qui se passe ici? J'aimerais bien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils envoient un groupe à l'hôpital. Pour du matos. Ah, super. Tu l'as dit. Il est cool, ce jeu? Méga dur. Mais je suis accro. La musique est cool, en plus. T'arrêtes pas pour moi, surtout. Allez, bye. Ah bah. Ouais, ouais. En plus, ce jeu, c'est quoi, en plus? J'en sais rien, c'est quoi? Bon bah, on va avancer, on verra bien. Cassez-vous, non? Ah, c'est là. Je me suis bien amoché, hein, docteur? Ouais.
Salut, toi. Tu vas mieux? Les antidouleurs font effet, alors. Ça va. Tiens, coup. La main, ça va? Je vais garder la plupart de mes doigts. Hé, hey, t'en as besoin que de trois. Tu crois pas? C'est ça. Ah, c'est bien fait, hein. Ah, t'as pas goûté ça, genre. On va voir si c'est là-bas, on verra bien. Je sais, Annie s'est chargée de lui. Il lui a brisé la nuque. Tiens, quand on parle, dis-le. Ah, salut. Comment tu te sens, Mel? Encore quelques points de suture, et je serai comme d'hab. Vous pourriez m'aider à convaincre cette fille de se détendre? Hé, Mel. Détends-toi. Pigez. Dites, j'ai besoin de bras, alors. Vous pourriez me donner un coup de main? Bien sûr. Tu bouges pas, hein? Je reste là, t'inquiète. Je me détends. Laura, est-ce que t'as pu te reposer un peu? Oh, je pars bientôt pour l'hôpital du quartier ouest. Les ordres, c'est de tout récupérer. Est-ce que je peux... Non. Oh, ok. Est-ce que je peux retourner ici? Non. Ok. Comment va-t-il? Je peux pas courir. Réellement. Les signes vitaux du bébé sont un peu élevés, mais je suis pas inquiète. Il faudrait prévenir Owen. Il voudrait être auprès d'elle. Ouais. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est-à-dire? Suivez-moi. Ok. Oh. Ça, c'est des cadavres. D'accord. Oh, putain. Ce sont des gens de chez nous? Ouais. Et il en arrive sans arrêt. Ah ouais? Ah bah oui, bah c'est... Ouais, c'est sûr. Ne dites rien à Mel, ok? Nora. Enfin, pour l'instant. Venez. Y'a qui là-dedans? Putain de merde, c'est Danny. Où est Owen? J'en sais rien. Il y a quelques jours, on a repéré des scars près de la marina. Danny et Owen sont allés jeter un œil. Et ce matin, les gardes ont retrouvé Danny effondré près de la clôture. Il s'était traîné jusqu'ici, avec une balle dans le ventre. Pinche Scar, hijos de puta! Isaac est resté avec lui jusqu'à la fin, mais... Autant que je sache, aucune unité n'est censée y retourner. Et sinon, pour Owen? T'as demandé à Isaac où il était? Oui, j'ai essayé. Mais il m'a lancé un regard de tueur, et il m'a dit d'en parler à personne. Du coup, c'est valable pour vous aussi. Owen sait se défendre. Je suis sûr qu'il va bien. Oui, Isaac. Je serai discrète. Aux dernières nouvelles, il était dans l'immeuble. Bon, faut que j'aille m'occuper de Mel, alors. Bon. Tenez-moi au courant, ok? D'accord. Isaac a pas envoyé des squads à la recherche de Owen. Peut-être qu'il l'a fait sans le dire à Nora. J'espère que c'est ça. Ah bah, on revient ici. D'accord. On va passer là, hein. On cherche Isaac. Il est à l'intérieur. Allez-y. Merci. Ah bah merde, regardez qui voilà. Ça va les gars? Tu veux faire une partie?
Pas le temps. Viens voir Isaac. Tant pis pour toi, Primeur. J'y peux rien si je fais du super boulot. Mm-hmm. Allez, à plus. Jeu de cartes, ça c'est bien ça, jeu de cartes. Alors. Ok. Bien sûr, comme d'hab, si après, bah, vous voulez le lire. Ne me manque pas. Putain. Ce que je déteste, cette odeur. Moi, je sais pas, mais ouais. Après ce matin, j'ai bien envie de leur régler leur compte. Tu m'étonnes. Oh wesh. Ça craint là-dedans. Ah, ils ont peur de moi. Intéressant. Paf. L'autre est un peu mieux là. Qu'est-ce que je fous là? Salut Abby. On doit monter. Isaac est là-dedans. Ah. Il en a pour longtemps. Il voulait justement vous voir. Venez. Monsieur, Abby et Manny sont là. Laisse pas s'endormir. Compris. Venez avec moi. On m'a dit que vous aviez eu des problèmes tous les deux. Rien de grave de l'autre côté. On n'a eu que quelques blessures. Contrairement à nos ennemis. J'aimerais entendre ça plus souvent. J'ai jamais vu autant de monde à la base. Et on est loin du compte. J'attends encore d'autres unités. Qu'est-ce qui se passe, chef? Cette petite guerre a assez duré. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, quoi? On pourrait retenter une trêve. Mais tôt ou tard, un connard finira par tout foutre en l'air. Et ça peut venir de leur côté comme du nôtre. Non. Il ne doit en rester aucun. On a déjà essayé d'attaquer leur île et... Pas comme ça. Pas avec tout le monde. Il y aura une tempête dans quelques jours. On pourra les approcher discrètement. Vous deux, vous mènerez le premier assaut. Faites vos équipes. Préparez-vous. Je veux Owen. Il revient quand, avec Danny? Qui te l'a dit, Nora? Je vois que les gars de Salt Lake ne gardent pas de secret entre eux. Owen va bien. Autant que je sache. Alors, pourquoi personne n'est parti à sa recherche? Il a tiré sur Danny. Apparemment pour protéger un Scar. C'est des conneries. Excuse-moi. C'est pas son genre. C'est une erreur. Tu crois que Danny aurait utilisé son dernier souffle pour me mentir? Monsieur, si les autres l'apprennent, Owen est mort. Le premier qu'il trouvera le tuera sans hésiter. Dans ce cas, je vous conseille de pas jouer les commères. Laissez-moi y aller. Je vais le ramener et on tirera tout non. ça. On a quelques jours avant la tempête. Non.
Cette chance ne se présentera qu'une fois. Et c'est plus important que tout le reste. Bien plus important qu'Owen. S'il revient, alors soit. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Et on tirera cette histoire au clair. J'ai besoin de toi, Abby. Ok ? Ouais. D'accord. Bien. Jetez un œil au plan et choisissez votre équipe. Prenez des vivres. On se voit plus tard. Owen n'aurait jamais tué Danny pour un ska. Hein? Quoi? Non. Abby, reste ici. Je serai revenu avant l'aube. Couvre-moi jusque-là. Isaac va te botter les fesses. Pas avant l'attaque. Il a dit qu'il a besoin de moi. Si Owen est encore en vie, comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais où il ira. De moi pour admirer ce beau paysage. C'est joli. Vraiment joli. Non. Allez. On est arrivé jusqu'ici. Et toi, tu veux laisser tomber si près du but. Ouais. Ouais, j'avais promis de monter. C'est fait. Bon, voilà ce qui va se passer. Tu vas ramener ton cul de ce côté. T'asseoir sur le bord, ou ici, sur le siège pour les petites filles. Et on va admirer le paysage. On peut pas rater l'entraînement. T'es sûr? Même pas pour une seule nuit? Non. On peut en parler? Il est tard, Owen. Ouais. Ok. Non! Non! Arrête, c'est trop! Oh putain, t'as raison! Tu sais, je vais pas pouvoir continuer comme ça, Abby. Owen, arrête ou je vais rompre avec toi! Owen! Je t'ai toujours aimé! Non! Owen! Oh wesh. Même moi je flippe. Bon écoute hein. Abby! Je suis là, espèce d'enfoiré. T'as sauté? Et j'ai raté ça? J'ai cru que tu t'étais noyé. Tu es venu me sauver? Non. Je vais voir si t'étais bien noyé. J'ai trouvé quelque chose de génial. Quoi? Si tu veux le savoir, tu vas être obligé de me suivre. Allez, go. Owen, il faut qu'on y retourne. T'inquiète. Viens juste voir ça. Owen. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas virer des lucioles paumées qui ont nulle part où aller? Peut-être. Je préfère pas le savoir. Viens juste jeter un coup d'œil. Inspire à fond.
continuer? Putain, ouais. Magnifique. Ah, ok. On dirait que c'est une sorte de zoo pour poissons. Ferme-la. Regarde un peu ce bébé, là. J'ai vu un phoque il y a pas longtemps, avec des petites taches partout. Ils ont pas de taches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non. Non, tu connais rien. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. Donne-moi un coup de main. Ok. C'est bon. Vas-y. Wow. C'est quoi cet endroit? Bah, on dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons, quoi. Tu te prends pour un coq? Quoi? Je fais le loup. C'est mon Il y a un bateau ici, quoi. T'es trop bête. Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle? Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé un genre de quai d'amarrage. Là, c'est comment du passé, là. Oh. Il y a des vêtements d'enfants. Il y avait une famille ici. Ah, regarde ces dessins. Ouais. Allez, on a fait le tour. On continue à visiter les eaux des poissons? Tu crois qu'il y a autre chose? Bien sûr. On y va. On était ici. Peut-être par là-bas, j'en sais rien. Tu trouves que j'ai une tête de phoque tacheté? Il avait des taches. Bah ouais, moi je voulais faire du pestac. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Essayez par là. Pas con. Aide-moi à monter. Ouais. Viens là. Ok. Wow, la vache, t'es balèze? J'ai soulevé 90 kilos hier. Dans tes rêves. Bon, on jette un coup d'œil rapide, et après... On rentre direct. Il y a des poissons là-dedans? Je crois que c'est tous morts. Oh la vache. Waouh, on voit pas ça tous les jours. Ah non, du tout. Eh ouais, aucune tache. Celui que j'ai vu n'était pas en bronze non plus, donc.
Tu crois que c'est les gens du bateau? J'imagine que c'est eux, ouais. Ouais, c'est les enfants. Cet endroit sera mon royaume. C'est chez moi. T'as un problème, toi. Viens quand tu veux. Oh, t'es sûr de ça? En fait, pas vraiment. Je vais attendre de voir si t'es sympa avec moi. T'es vraiment trop con. Y a une tente, là, non? Ah, non. Ah non, je croyais que c'était une tente, mais non, c'est pour les trucs de fond vert. Ouais, je sais quoi. Il y a une porte là-bas. Mais j'ai envie quand même d'aller voir là-haut. Mais j'ai envie quand même rentrer là-dedans. Chez Mas. Ouais, c'est chez moi, oh, tout à fait. Fermé. Bon, on va monter au-dessus. On verra bien. En plus, ça tombe bien. Moi, je veux en plus monter, alors c'est génial. Il faut absolument qu'on amène les autres ici. C'est ça, en les incitant à désobéir, eux aussi. Tu trouves pas que ça valait le coup? On verra si on se fait engueuler en rentrant au camp. C'est clair. La ferme. Je vais y réfléchir. Mon sang. Oh shit. Ça fait un moment qu'il est mort. Hein. Je crois qu'on a trouvé le capitaine. Merde. Je vais peut-être lire sa tête, à mon avis, plus tard. Les enfants sont allés rejoindre l'escar. Bordel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème? C'est un squelette, il en a plus besoin. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse volontairement rejoindre l'escar. Pourquoi? Parce que c'est une secte à la con, c'est tout. Bah, dans les zones de quarantaine, les lucioles sont considérées comme des terroristes, des fanatiques. On était naïfs. On n'était pas fanatique. On faisait sauter des postes de contrôle et on tuait des soldats. Oh, c'est pas pareil. Non, ce que je veux dire, c'est... Évite de dire ce genre de conneries au stade, ok? Ok, d'accord, ça va. Je redresse. Quelle heure, à ton avis? J'en sais rien. On a le temps. Ouais, on dit ça, mais en fin de compte, on est super en retard. Allez, peut-être les clés, t'es ça en bas. Allez, go. En fait, si, bien sûr, n'hésitez pas à mettre en pause. Si après, bah, vous bien envie de lire, hein, comme vous voulez. Hein. Moi, je vais relire ça un peu plus tard. Des fois, je lis un petit peu, mais pas beaucoup. C'est quoi, ça? Oh, il y a des poissons en dessous. T'imagines cet endroit rempli de monde? Avec des enfants qui couraient partout. Un autre monde. Ah. Ouais. C'est le moment de sortir les clés. Ah ouais. Celle-ci. Non. Là. C'est bon. Oh. Ça a dû prendre une éternité de prendre ça. Oh oui. Des couleurs du grand. Ok. Oh.
à descendre par là. Allez. Oh ouais. Après, j'arrête. C'est promis. Promis. Évite de... regarder en bas. Oh. Descends. Ça va aller. Bon, ça va encore, ça passe. Normalement, ça passe. Regarde ça. J'aimerais trop rencontrer ce gamin. Bah, c'est un Scar. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Oh, la vache. J'espère que non. Ah bah ça. Pas mal ta forteresse, Mike. Ah, j'ai pas de lumière, fâché. C'est bien foutu. Wow. Allez, amène-toi. Oh. Hey. Regarde. Tu vois qu'ils en détachent. Ouais. Je suis moche. Je suis moche, c'est ça? C'est mon corps qui te dégoûte. Allez, Abby. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui va pas? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles. Mais Joël est là, quelque part. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Oh. Vas-y, toi. Et toi, alors? Je vais regarder les phoques. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. On visite beaucoup, hein. Les visites de Aquarium. C'est marrant. Et si Owen s'était caché ailleurs? Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire repérer. Y a moyen que tu changes encore d'avis? Non. On sait pas ce qui s'est passé. Il faut que je le retrouve. Enfin... il a vraiment tué Danny. On s'en fout de Danny. Hé, hey, Abby. J'apprécie que tu m'aides, filer en douce. Tu vas y aller comment, à l'aquarium? Par l'autoroute? Non, y a trop de patrouilles. Je me ferai repérer, c'est sûr. Je vais me frayer un chemin. L'aquarium est pile à l'ouest. Suffit de suivre le soleil, pas vrai? Viens avec toi. Je l'ai déjà fait. Tu vas avec autant de Scar dans les environs. Manny, s'il te plaît. Bon. C'est toi qui vois. Ah, là j'ai de la lumière. Là c'est cool. Attendez. Ouais, non, c'est bon.
J'aurais bien fouillé réellement. Même si on joue à une autre personne, je préfère bien fouiller à la côté. Avec Ellie, je suis d'accord, mais là c'est une autre personne du coup. C'est pareil. Hein. J'ai fait sauter, heureusement que j'ai bien fouillé. Tu savais qu'il y avait quelqu'un qui squattait ici? Oh la vache. Oh non. En me murmurant des choses en espagnol. Hey, c'est privé. Oh, c'est pas vrai, c'est ta chambre ici. Dis-moi, t'as quoi? J'ai même pas eu le temps de voir tout. Ok, pardon? Non, l'anglais. Ah, c'est oui, d'accord. Salaud, j'aimais pas tant voir tout. Hé. Hey. Merci. Tu parles de ça? Ouais, de ça. Et de tout le reste. T'es un vrai pote. Arrête, Abby. C'est trop d'émotion d'un coup pour moi. Est libre. Allez. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Si tu le retrouves, ne frappe pas trop fort. Je te promets d'essayer. Sérieusement, fais gaffe à toi, Abby. Ouais. Bon, bah là, maintenant je suis tout seul. Bon, y a qu'à suivre le soleil. Du coup, il m'entoure, en fait, lui. D'accord. Il repart. Attends, je vais voir. S'il il part vraiment. Ouais, il part vraiment, ouais. Bon. Alors. Ça y est. Maintenant, on peut commencer l'aventure. Certes, ça fait déjà une bonne petite heure qu'on était... dans l'introduction des personnes qui s'appelle beaucoup on n'a même pas trop bien avancé, mais c'est pas grave, c'était marrant. On était beaucoup le visite de Aquarium, oh c'était bien vrai. Oh, j'ai vu ça. Voilà, maintenant on peut. Où ça tire? Super. Ça tire partout. Oh, c'est quoi cette odeur? Mais attendez, est-ce que j'ai bien fouillé là-bas en fait? J'ai un doute. Oui, hein. Oui, ah fuck, allez. Ouais, de perdre du temps, allez go. Hein. Alors. On va monter là, mais avant ça. Allez hop. Je sais pas si où le tire, mais... Ça craint un peu. Ok, il y a un passage là-bas. J'ai vu un truc là-bas, on peut peut-être casser une vitre. Ou pas.
pense pas. Non. Ah, attends. Ah, si, si, si. Bon, bah, ça vaut le coup, hein. Au moins ça. Allez, go. Forcément. Putain. Ah. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Oh, j'entends des zombies. Oh, il y a du fric. Il y a des billets. J'ai entendu des zombies. Non, c'est moi. Oh la vache! Oh la vache! Eh ben, ça commence bien. Ouais, tu m'étonnes. Je sais pas, j'ai senti, je sais pas comment. Oh la vache! Bon, bah au moins, ça pick up. Ça fait plaisir de rejouer avec deux personnes en vrai. Non, en vrai, c'est cool. Attendez, je vais réifier un truc. Ouais, par ici. Allez, je vais commencer celui-là. Peut-être 8 et c'est le dernier, je sais pas. En tout cas là, on a le temps. Hein. Ah, t'es sûr? Et bah voilà, comment on peut ouvrir les portes. Mais c'est génial tout ça. Voilà, 4. Bah, pick up. Ok, c'est derrière. Oh, hier. 40, j'ai assez. Monter la vitesse, déplacement, écoute. Ouais, vas-y, je fais ça. Et après, c'est celui-là. Appuyer pour eux. Visant pour. D'accord. Je sais pas, mais ça craint. Dans le genre Guy de la con, ces tarés sont vraiment à deux pas de chez nous. Oh, y'a un truc ici. Il y a deux matelas. Soit ça ou soit ça. Je vais faire celui-là.
Même si c'est bien aussi pour faire. Mais je préfère plus mettre un seul ancien en cas où. Même si c'est à peu près débile. Mais on sait jamais, hein. Oh shit. Oh shit. Bon, je suis comment? J'en sais rien. Oh là là, je sais pas comment faut faire. Il y a un zombie ici qui dort. Bon bah Nick. Bon bah j'ai foiré hein, écoutez hein, ouais, je suis tellement nul hein. Je suis tellement nul du coup pour le discussion là, je suis zéro hein. Bon bah c'est pas grave, tant pis, on fait avec. Alors, ouais. Bon, on se casse. Attendez, je vais juste voir mon compteur. Ouais. On va peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps en fait, c'est pour ça. Écoutez, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, mettez un j'aime à la côté, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Parce qu'en vrai là on a déjà bien avancé en vrai. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps en fait, c'est pour ça. Du coup voilà quoi. Bon, on a déjà fait quand même beaucoup de trucs. À part là, j'ai fait les zombies, essayer de faire être discret. C'est pas mon truc, hein. Du coup je suis à peu près zéro. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Bon allez, c'est à tous, à la prochaine. Bonne vidéo, bye.